Hey, bonsoir à tous, c'est Sgan. On se retrouve sur une petite vidéo de jeu indé. Donc si vous connaissez Paper Please, le concept c'était que l'on se retrouvait dans un genre de pays l'Union soviétique complètement imaginaire. Et on faisait partie du contrôle à la frontière. Les gens passent dans notre poste de contrôle et on doit vérifier si tous les papiers sont en règle pour tamponner si on laisse passer ou non la personne. Sauf que à chaque jour, ça se complique un peu plus avec des détails en plus, etc. Donc là, je vous présente Unsolicited, qui nous met dans la peau, cette fois-ci, de quelqu'un qui travaille pour une boîte qui envoie des spams. Et c'est là que ça se rapproche vraiment beaucoup de Paper Please. C'est que nous allons faire des tâches vraiment répétitives et vérifier les informations qu'on va nous donner. Voilà. Donc c'est créé par Lucas Pop, la personne qui a développé Paper Please. Donc ça a beaucoup se sentir dans les graphismes. On y va. Vous avez un client. Alors voilà, donc on va travailler pour cette fausse entreprise. Voilà. Qui a envoyé des fausses pubs. Et voilà. Donc on va recevoir des genres de missions, donc pour une fausse œuvre de charité, voilà. Donc on ouvre le formulaire, vous voyez, ça ressemble énormément à Paper Please au niveau du graphisme et même la typographie. Donc j'ai deux minutes pour faire, voilà. Donc là c'est pour histoire d'apprendre je pense. Donc il y a Sophie Rudenko, donc vous voyez, hop, pour l'instant à la famille Rudenko. Sophie Rudenko, une petite donation de 300, voilà. Voilà, on met le numéro. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est vraiment là pour nous apprendre. Le compteur n'est pas parti. Hop, on signe. On met sous pli, on envoie. Allez, hop. Et là, c'est parti. On a 2 minutes pour en faire un maximum. Donc, on choisit l'entreprise. Donc, pour l'instant, on a juste une seule entreprise qui nous embauche. Donc, hop, on ouvre le formulaire. Victor Lebedev, Lebedev Family. Et on se dépêche. Hein. Exactement comme en Paper Please. Il faut faire ça en moins de temps possible. 300, le numéro pour l'instant, je vérifie les 3 derniers, ça passe. Hop, on signe. Soupli, on envoie. Allez, un nouveau. Tiens, on va prendre celui-là. Jérémy Alain. Lane Family. Donc pour l'instant, c'est très simple. Hein. Une petite donation de 10$. Et le numéro de téléphone, voilà. Pour l'instant, là, c'est vraiment tout con. Robinson ou Robinson, Sophie Robinson, petite donation de 100$, allez s'il vous plaît, allez Sophie, il y a bien qui va se faire avoir. Et hop, le dernier, on a largement le temps, j'ai l'impression que le compteur se remet à zéro à chaque fois qu'on en envoie un. Famille Kohler, oh, bah, là tout est déjà prêt, rempli, il n'y a même plus rien à... Et hop, on envoie, toc, et là j'ai une deuxième entreprise donc qui a besoin de moi pour envoyer ses spams. Voilà, donc maintenant j'ai 2 formulaires. Timeshare, hop, donc c'est ce formulaire avec le T, Timeshare. Voilà, Leonie Jackson, donc Jackson Family, Leonie Jackson, 2400. Rejoignez notre séminaire, le... Alors là c'est inversé, hein, vu que c'est en anglais, format anglais, 10 avril. Voilà, numéro 622, il y en a qu'un qui finit par 622. On signe, on met sous pli, on renvoie. Ok, select alert above for details. On va en faire des timeshare quelques-uns. Donc, Nilo Barbu. Ah, voilà, là, il commence à y avoir un peu plus de choses. Famille Barbu. Barbu Family, voilà. J'ai dit quoi? Nilo. Nilo. Seulement 1800$ par mois. Vous avez gagné un. Allez hop, le 13 avril, c'est bon. Putain, c'est génial! On en recevait avant du courrier tout le temps comme ça. Comme quand on avait gagné quelques conneries. Maintenant, ça m'arrive plus d'en avoir. Hein. Peut-être parce que je suis pas sur des listes, je sais pas. Mais des courriers comme quoi j'ai gagné des trucs, ou alors maintenant ils sont tellement fait emmerder. Alors là, c'est pour qui? Ah oui, il faut peut-être que je choisisse un autre timeshare. J'ai sorti le formulaire avant moi. Je suis tellement gourmand. Sophia Eriksson, famille Eriksson. Voilà, la petite Sophia. Allez, 2400 par mois. 13 avril. Corner Seeker Spot. Voilà, on signe, on met sous pli, on l'envoie. Allez, Charity Donation. Donc là, c'est celui du premier. Quoi qu'il reste encore un timeshare qu'on peut faire là. Berids, Lena, Just, 2400. Vous voyez, je vais vraiment le plus vite possible. Bon, là, avec une date, et là, il y a plusieurs numéros, 4 numéros.
hop, hop, et hop. Bon, évidemment, avant de commencer, avant de vous faire ces petites démonstrations, comme ça, j'ai préféré regarder vite fait au lieu de galérer comme un con, hein. Famille Molnar. Avant de comprendre. Mais bon, c'est tout con. Mais bon. Ali, small donation 300. Faut que je me dépêche. Il reste 54 secondes pour tout finir. Enfin, pour tout finir. Il me semble qu'il faut au moins en faire 5 par session. On les a largement faites. Alors, William Mosser. William Mosser. Petite donation de 50$. Qui se finit par 666. Et là, pendant moi. Et il en reste plus que 2. C'est jouable de tout finir. Nicolik, Lazar Hall, All Family, Lazar. Petite donation de 75. Numéro qui signe par 457. On signe, on envoie. Il ne reste plus qu'un, donc du coup, il n'y a plus qu'un choix. En fait, on a donc tous les choix qui se mélangent par rapport à tout ce qu'on a. Et voilà, tout est fait. Wouh ! Et là, j'ai carrément en plus deux nouvelles compagnies de spam qui m'embauchent. C'est la fête, hein, eh. Je sais pas quel est le salaire cette fois, ni rien, mais... Donc ça, c'est nouveau. Sweepstakes, ok. Allez, c'est parti. Vas-y, fais péter, on va les faire dans l'ordre. Daniel Guilhem. Vous êtes le gagnant de 1000$. Appelez-nous au 318. Je regarde que le dernier. Si je vois qu'il n'y a pas de doublon, hein, je choisis vraiment celui qui finit par 318. Alors, là, c'est là que ça se corse, 22 mars. 22 mars, hop là. On n'a pas encore l'année. Envoyé à Guilhem Family. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Charity Donation. Allez, Charity Donation. C'est celui-là. Là, on commence à avoir pas mal de formulaires différents. Maria Torres. Torres Family. Torres Family, voilà. Maria. Donation de 10$. Et le 6536. Il commence à y en avoir là des numéros. Mais bon, plus on en fait, plus ça va se libérer, je pense. Allez, un petit timeshare. On va faire celui-là. Alors, Liam. Liam. Oh oh, pourquoi je vois pas Liam? Liam Family. Ou alors c'est Schneid. Nom de famille, c'est Schneid. Voilà. Ok. Et Liam, c'est le prénom. Hop. 1800 par mois. 1800. Séminaire le 11 avril. Voilà. Et. 862, j'en ai qu'un 862, oui. Voilà. Ah, une offre de crédit. Offre de crédit à William Berzin, Berzin Family. Berzin William, William. Te voilà, William. Enjoy an introductory. Alors, ça c'est quoi? APR. APR fort. Donc ça doit être le pourcentage. Ça doit être d'abord 0, puis 7. Ça doit être dans cet ordre-là, hein. Puis 1 et le numéro de ce qui se finit par 252. Voilà, hop, c'est envoyé. Crédit offert, ils sont un peu complexes là. Hein. Ils sont un peu complexes. James Constantinoff, Jake. D'accord. Alors, James, ok, c'est James. Ah, voilà, James, hop, hop, hop. Donc là, c'est 05. Puis 5. Puis 1,5. N'hésitez pas à appeler le 933. Voilà. Bon, quand c'est pas bon, hein, la lettre se chiffonne automatiquement au dernier bouton. Crédit offer. Tout. Alors, Papa. Papa Family. Papa Zan. Zan Papa. Donc 0, 3, 6 et 1. 1%. On n'hésite pas à appeler le 437. Merci. Il nous reste 10 secondes. Est-ce qu'on peut faire un petit sweepstake? Qui a gagné? Smith, Julia, 100$. Appelez-nous 586. Non, trop tard. Mais bon, j'ai quand même réussi le quota, donc c'est pas très grave. Deux nouvelles compagnies viennent s'ajouter. Tides Crew, Collection Agency et Underbody Auto Assurance. Allez, et on se dépêche. Timeshare. Alors, pour Adam, Mia Love, un truc comme ça. De toute façon, on va pas aller dans les détails. Là, on va aller vraiment le plus vite possible. Just, allez, hop, 4300 par mois. Le 25 mars. Et un dernier numéro, 858. 858, on en a qu'un. Hop, hop, et c'est envoyé.
Tiens, on va faire Collection Notice 07. Je sais pas, là, ça doit être ça, Collection Notice. Ouais, c'est ça. Notice, alors. Jacob Lechner balance 6000. Oh là là, ça commence à devenir des chiffres un peu moins ronds. Le 28 mars. 28 mars, voilà. 2. 21,70, voilà. Par mois. Non, je sais pas. On s'en fout. Et on envoie ça donc à la famille Jacob, c'est ça? Si je la trouve. Non, Lechner. Famille Lechner. Famille Lechner, voilà. C'est bon. C'est envoyé. Charity Donation. C'était le formulaire rose. Le formulaire 85 B. Bon bah, this is it, ok. C'est lequel déjà? C'est Sweepstakes, je crois. Alexandra Thomas. Thomas Family. Alexandra Thomas. Pour 7500 par mois. Voilà. Le 7 avril. 586. Ouais. Ah, bah ça, c'était loupé, par exemple. Ça devait pas être le bon formulaire. Sweepstake, c'est lequel? Je sais pas. Celui-là? Ouais, ça doit être celui-là, plutôt. Il faut vraiment se rappeler ensuite des formulaires. Ça commence à... Ça y est, je commence à me planter. You may be already a winner de 5000$. 5000$. Appelez-nous au 440. 440, voilà. Le 1er avril... Ou regrettez-le à jamais. Ça se trouve, l'année de la date change. Faut peut-être pas se planter, mais bon. Potofnik, Potokrochnik, Potofnik Family. Ah, ok. Ok, maintenant on a même des noms qui se ressemblent. C'était peut-être ça la merde de tout à l'heure. Charity Donation. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, donc j'en ai fait. Là, Ramos. Ramos Family de Junseo Ramos. Porto Rico chinois, Request 200, 457, voilà. Celui-là, ils sont simples, on les envoie. Allez, Crédit Offer, Charity Donation, très simple. Alors, famille Demirovic Family, Ido. Ido, un petit don de 20, 342, hop, il nous reste... Il nous reste 6 secondes, donc ça, on peut dire que c'est mort. En même temps, en parlant en même temps, c'est pas aussi facile. Donc, on a perdu un client. Je continue. Ah, ok, on a perdu un client. J'ai pas été assez rapide apparemment. Mon cinquième session, c'est pas grave. Offre de crédit. C'est laquelle hein? Ça doit être ça, l'offre de crédit. Ouais, hop. Offre de crédit. Pour Madame Sands, Sands Family, hello Olivia. Alors, 02, ouais bah là tout est bon, tout est déjà pré-rempli. Et là, 437. Tiens, assurance auto, on l'a pas encore fait ça, l'assurance auto. C'est pas celui-là, voilà. Rasmussen, Emily. Voilà, Emily Rasmussen. Contactez-nous aujourd'hui et gagnez 271, économisez Switch Before, le 4-4, 4 avril. Alors, c'est pourquoi? Guest Card, ok, Worth quoi, 99, ok. Appelez maintenant, putain, plus ça va, plus il y a des choses à remplir et à vérifier. Ah oui, mais non, faut le faire au moins une fois par... Collection Notice. Je pense qu'il faut le faire une fois par client pour pas les perdre. Parce qu'évidemment, si un client n'a pas d'envoi par jour, je pense qu'il fait la gueule quoi si on s'en occupe pas. 3300. Is not paid in full by. Non, 18 avril, s'il te plaît. Off. 22, voilà. Attention. À l'attention de Noah Novak, hein, Novak Family, hop. Timeshare, on l'a pas fait. Pour Omar Nemec Family. Omar Nemec, pile poil sous la souris. 1200. Joignez notre séminaire le 23 mars. Numéro, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de signer. Attendez. Oh putain, les... Donc, nanana. Donc, toujours Omar Nemec. Omar Nemec.
À 1200 par mois? Qu'est-ce que je te vends à 1200 par mois, hein? Putain. Je suis allé trop vite, hein. 177, et du coup, 23 mars, et j'ai raté une touche. 177. Signé. Voilà. J'ai fait la même chose, sauf que là, j'ai signé. Sweepstake. Je sais plus lequel c'est, Sweepstake. Sweepstake. Oh là là, je me perds dans les formulaires. Je pense que c'est celui-là. Sanjar. Usain 9. Voilà, vous, vainqueur de $500. 500. Appelez-nous. 676. Où vivez plein de regrets incroyables. Le 23 mars. 10 secondes, Sanjar, Family, Usain 9. Bon bah voilà, ça aura pas été fantastique, hein. Il y a beaucoup de choses, il n'y a plus de lettres à envoyer, vous pouvez partir. Je décide de continuer mon travail, j'ai un bureau à nettoyer. Ah, pourquoi pas? Nettoyons le bureau. Ah, on n'a pas d'éponge. Maintenant vous avez vu à quoi ça ressemblait, donc ce magnifique jeu qui est Unsolicited. Bon, sur ce je vous laisse, à bientôt sur YouTube ou alors sur Twitch, hein. Il y a le lien dans la description comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt, allez salut, bisous. We'll be right back.